les amis, alors je viens vers vous, je reviens plutôt vers vous pour vous filmer la deuxième partie non, la troisième partie, pardon, de l'Ashkraprom. Alors, je vais vous filmer pour la deuxième partie ce qu'il y a dessous le bureau, ici. Et après, si ça ne dure pas trop longtemps, j'essaierai de vous faire ici. Juste ce qu'il y a dessus le carton, là. Parce que là, il y a le carton. Il n'y a rien dedans de scrap et tout. Parce que c'est de ma cafetière. Et si je peux, je vous ferai l'arrière ici. Voilà. Donc, c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous faire donc la caisse ici. Alors, dans ma caisse, il y a donc mon premier bullet journal ici. Il y a voilà des pochettes. Donc dans cette pochette-ci, il y a tout ce qui concerne mes dies. Pour l'instant, ce rangement dies me convient amplement. À défaut de ne pas avoir de feuilles aimantées, donc voilà, du coup, je range tous mes dies dedans, sans forcément avoir de thème, de catégorie ou quoi. Mais voilà, tous mes dies sont pratiquement dedans. À part la dernière pochette que c'est des dies d'Halloween. Mais bon, après, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà. Ensuite, alors attendez, parce qu'il y a un truc par terre que je viens de donner un coup de balai et j'ai encore un peu de poussière. Alors que je viens de donner un coup de balai, vous voyez? Voilà, donc c'est le genre de choses qui me complexe un peu. Quand je donne un coup de balai, il faut toujours. Il y a des choses qui me salissent. Bref. Ensuite, il y a des toiles. Il y a des die cuts que j'ai pas encore utilisés qui sont neufs et qu'on m'a offert dans un swap. Il y a ici un truc de chez Asda. Voilà. Il y a des pochettes comme ceci de chez Emma. Dans cette pochette-ci, il y a plus particulièrement des pochettes A4 comme ça. Enfin, des feuilles A4 comme ça de stickers. Il y a des feuilles comme ça, une feuille comme ça de stickers qui viennent de chez Action. Et des stickers paresseux. Alors, dedans, c'est que des stickers Action pour l'instant. Ensuite, j'ai cette pochette-ci où il y a le Papercraft 7 de chez Action. Et tout ce qui concerne le thème tropical. Voilà, tropical, flamant rose, tout ça. Donc je vais plus vous montrer en détail. Comme ça, vous verrez de quoi je parle. Après, vous connaissez, hein, parce que ça vient de chez Action. Voilà, donc là, vous avez les plumes. Là, vous avez les tags. Vous avez les papiers, les feuilles A5. Voilà, tout ce qui concerne tropical, les feuilles 15-15. Encore des feuilles A5, ça c'est des feuilles d'un bloc que j'ai acheté à Action dernièrement, en début d'année je crois. Ça c'est le même bloc que celui de derrière. Encore des feuilles A5 du kit. Voilà. Encore des trucs de feuilles du kit. Là avec un petit minouche. Là une feuille 15-15 avec les die cuts. Voilà, j'ai tout mis dans ce rangement, tout ce qui est concerné le tropical. Ça, il va falloir que je le mette dans la pochette chat avec le petit papier là. Ensuite, il y a voilà, les feuilles A4. Celui-là, il ira dans la pochette cactus. Voilà, ça peut rester dedans parce que c'est tropical. Voilà, les glaces. Ça ira dans le thème gourmandise, ça aussi, je pense. Je vais voir. Là, ici, ça ira plus dans la pochette de. Comment dirais-je? Des licornes. Donc là, vous avez les flamants. Là, vous avez tout ce qui est sticker. Et là, vous avez encore des feuilles sur le thème tropical en format 15-15, des stickers et du washi. Et les planches comme ça de stickers sur le thème tropical. Et flamant rose. Je viens de vous montrer exactement le même sur les paresseux. Voilà, ensuite ici, voilà, il n'y a pas grand-chose dedans
Il y a juste le modèle, il y a les modèles de Pocket Letter, voilà, avec les dimensions. Il y a des petits dessins ici que j'avais fait moi à la main. Les arrières d'ATC, j'en ai qu'une seule, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore utilisée. Et ça a été imprimé là, ouais. Le 7 janvier 2019, ça fait 1 an et 4 mois que je l'ai dedans et je les ai toujours pas utilisés parce que j'ai qu'une feuille. Là, c'est pour faire des ATC. Voilà. Là, c'est pour faire soit des ATC, soit des cartes. Ça, c'était à la base pour faire des ATC, mais c'est trop petit. Alors, peut-être que je vais essayer de faire quand même quelque chose avec. Voilà. Ici, qu'est-ce que je peux dire sur cette pochette-ci? Je crois que c'est tout ce qui est gabarit de boîte. Voilà, gabarit de boîte. Voilà que j'ai. Ça, je l'ai trouvé sur internet, mais vous allez voir qu'en fait, mon mari me l'a imprimé. Donc là, il y a pour la boîte à thé. Et je l'ai également dans un de mes magazines que je vais également vous montrer. Là, il y a un gabarit de boîte pour faire ce genre de boîte-ci. Voilà. Ensuite, il y a le gabarit de ça, de la boîte comme ça. Et en fait, ce gabarit-ci, je vais vous montrer parce que c'est un début de. Voilà. Ce gabarit-ci, en fait, c'est ce gabarit-là. Je l'ai fait en plus gros plan parce que voilà, c'est assez petit. Voilà. Et j'ai un gabarit comme ça et d'autres gabarits pour d'autres boîtes. Voilà. Là, pareil. Et là, c'est pour faire voilà, ce rangement-ci. Et ça, c'est un gabarit pour faire une carte. Et ça, ce gabarit-là, c'est pour faire ce genre de création-là. Voilà. Faire les sacs comme ça. Je sais que Judy Scrap le fait. Donc, du coup, moi, j'ai fait à ma façon. Et je sais que comment elle s'appelle? Lucie de la chaîne Création Luna a fait un tuto sur ce genre de création également. Et voilà. Ensuite, j'ai ceci où je mets par exemple des die-cuts 3D qui me restaient dans les blocs, ainsi que ceux que je reçois dans des échanges, tout ça. Et des petits que je mets, des petits projets que je mets, que je voudrais utiliser par exemple. Voilà. Voilà pour cette pochette-ci. Et pour celui-ci, c'est plus tout ce qui est sketch pour faire des cartes. Voilà, j'ai des projets, j'ai un projet d'en réimprimer d'autres. Mais là, pour l'instant, j'ai pas d'encre. Voilà, là, avec le blog de la personne, si ça peut intéresser. Là, pareil, donc là, vous avez le blog ici. Et en fait, c'est Kat Scrappiness. Voilà, et elle fait pas mal de sketchs intéressants pour le scrap. Voilà. Bon, moi là c'est en noir et blanc, mais en général vous pouvez les imprimer en couleur pour vous aider un peu plus à la création de la carte. Là il y a également celui-ci, mais là j'ai pas le blog. Ah si, 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 c'est noté là. Voilà. Et ça après le reste c'est des petits projets voilà, que j'ai en cours, que j'ai pas encore fait. Donc voilà, alors je vous pose 2 secondes, le temps de bien remettre les pochettes dans la boîte. Voilà. Je vais vous reprendre. Ensuite, ici, vous avez donc une pochette avec mon diamond painting et tous mes, pardon, et tous mes pochoirs. Voilà. Vous avez des feuilles, pardon. Alors, on va faire comme ça sera plus simple. Je vais tenir le truc. Alors, voilà, je vais tenir le truc, ça sera plus simple. Là, vous avez des feuilles noires qui viennent de ce bloc-ci. Voilà, ici, c'est ce bloc, c'est tout ce qui est papier noir, blanc, craft.
Ensuite, vous avez donc les blocs de 3D die cut ici. Voilà. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la pochette. Donc, j'en ai trois. Celui-ci, c'est mon amie Marilyn qui me l'avait acheté, qui me l'avait fait cadeau. Normalement, j'en ai un quatrième comme ça sur le thème tropical, mais je sais pas où il est. Il doit être quelque part par là, dedans peut-être ou ailleurs. Ici, c'est aussi mon amie Marilyn qui me l'avait offert. Ici, vous avez un Luxe Paper Block. C'est l'un des derniers que j'ai acheté. Et après, c'est mes magazines de Passion 4 Créative. Là, c'est le 56. Mais le 57, je l'ai, mais il est avec moi dans la cuisine parce que voilà, je me suis installée dans la cuisine pour parce que je vais bientôt préparer à manger et j'aime bien avoir mes petits trucs de scrap avec moi. Donc voilà, tout ça, c'est mes passions cartes créatives. Voilà. Il y a aussi celui-ci, le numéro 50, mais c'est un spécial. Celui-ci aussi, c'est un spécial, donc c'est le numéro 13 et là le numéro 50. Là, vous avez le passion scrapbooking. Ici, vous avez plaisir de créer le guide papier créatif 2020. Voilà. Ensuite, nous avons ici les magazines, idées magazines, créa cartes et scrap, trucs et astuces. Voilà, il y en a, j'en ai quatre. Après, ici, vous avez tout ce qui est pochette, voilà, que j'avais fait avec les pochettes plastiques. Vous avez une autre pochette plastique avec des coupes. Vous avez d'autres sachets avec des petits sachets à l'intérieur. Vous avez de la cartonnette. Vous avez ceci, il faut que je le mette, voilà, son bloc initial. Voilà. Là, vous avez une feuille blanche. Là, vous avez voilà, ma bucket list. Vous avez ici mon semenier. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez normalement la place pour mettre mes autres bullet journal comme ça. Parce que j'en ai deux autres. J'en ai un autre comme ça de chaque action. Et un autre petit, plus petit de chaque action. Ensuite, ici, voilà, vous avez du papier 15-15. Petit bloc-notes sur le thème licorne qu'on m'a envoyé, qu'on m'a fait cadeau. Une boîte carte que j'ai faite, mon mini-album. Des petites notes, une trousse, une autre trousse ici. Ici, mon pot quand je fais de la peinture ou de l'aquarelle. Et ça, c'est des courriers que je ne montre pas. Et il y a entre-temps ici un mini-album qu'on m'a offert. Voilà, et un sachet de sac poubelle. Voilà. Ensuite, on va passer au-dessous du bureau. Je ne vais pas tout défaire parce que sinon, voilà, ça va me prendre du temps. Alors, ici, vous avez au-dessus, vous avez deux pochettes qu'on m'a envoyées. Ici, là où il y a le petit sachet, c'est un album qu'on m'a fait. Vous avez du bulle, des papiers bulles. Ici, je vais essayer au moins de vous faire au moins les boîtes. Voilà, les boîtes du haut. Ici, vous avez tout ce qui est capsule altérée. Voilà, du capsule altérée et. Bon, on va faire comme ça. Capsule altérée et les rubans comme ça. Alors, je vais vous poser. Ensuite, en haut. Là, vous avez dans cette boîte, vous avez des fleurs comme ceci. Ensuite, ça, c'est des découpes. Ça, c'est également des découpes. Ça, c'est une licorne à peindre. Cette boîte-ci et cette boîte-ci, c'est des perforatrices. Ici. C'est des rubans. Voilà. Ici, c'est des créations en pâte polymère. Ici, vous avez une boîte, la boîte bleue qui est juste là. C'est des embellissements. Ça, c'est un calendrier de l'Avent que j'ai eu en 2018. Là, c'est la boîte dorée, c'est des découpes. Et la boîte là, je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans. Les boîtes qui sont en dessous là, c'est
que des créations que j'ai reçues depuis que je scrape. Ici, c'est mon appareil photo Nikon qu'il va falloir que je nettoie et voir si je peux trouver un autre chargeur. Ici, vous avez mon massicot de Lidl que j'utilise très peu parce qu'il ne coupe pas droit. Ici, vous avez une autre boîte où il y a également des fleurs. Ici, la boîte, il y a, enfin, le seau, il y a des découpes, moi, des fleurs. Le truc que vous voyez là, c'est un couvercle d'une boîte qui est dedans. C'est une boîte Ferrero Rocher. Ici, bien évidemment, vous avez une poubelle. Là, vous avez également des petits trucs, voilà, que je n'utilise pas vraiment. Voilà. Ensuite, dans le fond, vous avez un truc rouge là, où il y a mon album photo Hello Kitty. C'est un calendrier de l'Avent forme sapin. Voilà, ici. Ici, vous avez du Project Life. Normalement, il faut que je le range parce que ça ne va pas ici. Et vous avez une deuxième poubelle. Alors, c'est les seaux de yaourt de chez Lidl. Donc, voilà, donc déjà pour ici. Je vais vite vous faire encore deux petits endroits, vu comme j'ai encore un peu de temps. Ici, j'ai un pot ici avec mes outils pour la fimo et un bandeau qui n'a rien à faire là. Mes outils pour la fimo, une petite règle. Ici, vous avez des petites barquettes avec des moulages, des petites créations, porte-clés, tout ça. Voilà, toutes mes petites créations Fimo. Et voilà, après, il y a d'autres boîtes avec des créations dedans et des boîtes vides. Ici, vous avez tout ce qui concerne la Fimo également. Voilà, les cannes, les coulis, tout ça. Des petits moules. Ici, vous avez tous les moules que j'achète pour faire des moulages. Voilà. Ici, c'est toutes mes bagues que j'ai fait en fimo. Ici, vous avez des découpes. Ici, vous avez des emporte-pièces. Ici, vous avez une boîte où je mets mon papier cadeau. Voilà. Et mon trépied. Donc, cette partie-là, je vous la ferai dans la dernière partie, je pense. Voilà. Ici, voilà. Donc, il y a mes feutres. Ici, il y a des feutres. Mes twin markers. Ensuite, là, il y a encore des feutres, mais c'est les créa marqueurs Koi Brush Pen et Koi Brush Pen de chez Rouge et Play que j'achète. Ici, c'est un petit truc que j'ai en cours avec une amie. Voilà. Ici, j'ai des aquamarqueurs qu'on m'a offert pour mon anniversaire. La boîte de ma Big Shot. J'ai mes boîtes là, elles sont pourries. Là, c'est tout ce qui concerne la couture, la dentelle, les trucs comme ça. Là, je sais plus ce qu'il y a, je crois que ça concerne mes créations que je dois vendre. Ici, il y a j'ai récupéré quelques boîtes comme ça de café pour la Dolce Gusto. Voilà, il y a des petits trucs dedans, voilà, qui concernent le diamond painting, les trucs pour la résine, tout ça. Ici, il y a quelques bijoux que je dois remettre, quelques bijoux, quelques petits trucs que je dois remettre en boutique, puisque j'ai une boutique. Là-dedans, il n'y a rien. Là, il y a un album photo. Et là, je crois qu'il n'y a rien. Ensuite, j'ai d'autres boîtes, d'autres. Là. Elle est vide. Voilà. J'ai également cette boîte, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. Alors, je vais me mettre sur le bureau pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Décidément, je ne vais pas la refaire parce que ça me prendrait trop de temps. Alors, dedans, voilà, il y a tout ce qui est chute de papier blanc, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? J'ai
Des crayons que j'avais achetés à Lidl Carrefour, moi. À Action. Ici, il y a des petites boîtes et les tickets de caisse et quelques petits projets en cours également. De couture, mais bon, j'ai fait à la main, mais moi, je suis pas très couture de base. Et dans cette boîte-ci, je sais pas ce qu'il y a dedans. On va regarder ensemble. Il va falloir que je la nettoie parce qu'il y a plein de poussière dedans. Donc voilà, il y a un truc de peinture qui n'a rien à faire dedans. Il va falloir que je mette dans la boîte à peinture. J'ai un mètre pour la couture. J'ai voilà une petite déco comme ceci que j'avais fait en pâte polymère, en fimo. Une autre petite création comme ça que j'avais fait en fimo également. J'ai un petit bloc-notes, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah oui, c'est pour tout ce qui est boutique en ligne. Voilà. Et après, c'est un petit carnet de notes et de la dentelle. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette partie. Ah non, pas tout à fait fini. J'ai également d'autres boîtes à vous montrer. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais pousser un petit peu tout ça pour faire de la place. Alors, j'ai dans cette boîte-ci qu'il va falloir également que je fasse la poussière parce que c'est tout sale. Alors, il y a tout ce qui concerne Noël. Voilà, des stickers, des découpes, du papier. Voilà, des embellissements. Voilà, pour l'instant, je mets tout dedans. Tout ce qui concerne Noël, tout ça. Tout ce qui est embellissement, ruban, tout ça. Et après, dès que j'aurai un peu plus de boîtes, et ou de rangement, je mettrai dedans. Donc voilà, pour tout ce qui concerne Noël, c'est en deux parties. Donc, cette boîte-ci. La boîte de Kinder comme ça d'Astérix qui et tout ce qui est papier, die-cut, tamponnage, voilà, et découpe également, voilà. Donc ça en deux parties et voilà. Donc dès que j'ai des créations de Noël à faire ou hivernales, je me sers dedans. Voilà, donc cette troisième partie est à présent terminée. Je vous ferai donc les deux rangements de tiroirs que j'ai ici. Voilà. Que j'ai ici. Voilà. À chaque fois, le truc, il fait que tomber parce qu'il ne tient pas. Voilà, il n'est pas de très bonne qualité. Plus ce qu'il y a ici, les deux boîtes là. La boîte là, bon ça c'est mes tampons, vous connaissez, j'avais fait une revue dessus. Voilà. Et là-dedans. Voilà. Donc ça sera la dernière partie. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!